Ouais, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en plein été, on est en bateau. Et donc cette vidéo, je pense qu'il y aura plusieurs petites sessions qu'on a fait. On fait des sessions assez courtes avec les chaleurs, c'est un petit peu rude. Mais en vertical, on arrive à toucher quelques poissons, donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Et vous aurez plusieurs petites sessions dans cette vidéo, je pense. Allez, c'est parti! Wow, coupé, cette touche, wow, non, pouah, c'était gros, hein. Ça c'était gros, hein. Et voilà pourquoi il était là, comme vous pouvez le voir, il y a une boule, il était juste à côté le coquin, oh là là ce fiche, coffré, pouah, coupé. Dégoûté. Ça c'était du gros fiche ça. Je pense que c'était un brochet. Ouais, coupé, hein. Coupé net. Hein. Et j'avais un bas de ligne. J'avais un bout de fluoro plus gros, il m'a coupé au-dessus. Il a tellement aspiré fort. Ça c'était un brochet. Il faisait plus de 70, ça c'est sûr. À mon avis, c'était plutôt un même bois que 80-90. Pour qu'il me l'aspire comme ça. J'étais en 5 pouces. Hein. Bon. Commence bien. Il n'y a que 3 mètres. Alors, les, ils sont là, hein. Ouais. Je sais pas si ça vaut trop le coup de passer en vertical dans 3 mètres 8. Ouf. Ouf. T'as vu ça? C'est de la grosse perche là. J'ai un plan pâle là. On va voir si elle monte sur un plan pâle. C'était une perche de 40 ça. Tu l'as vu? Ah, j'ai vu le dos sortir. Poisson. Nice. Un petit pike. Ouais. Ouais, au plan pâle. Ah là là, le petit coquinou. Ils ont une patate quoi. Tu veux l'épuisette ou... Non, la pince. Je vais le décrocher dans l'eau. Il a dû foncer dessus, petit coquin. Ah, il a... ah, il s'est décroché. Je vais la sortir, elle sera sortie la pince. Parfait, parfait. Au plan pâle là, tac, tac, boum. Toute la zone. On va vite taper dedans de toute façon. Putain, mais il s'arrête pas quoi, il va plus avoir de voix bientôt ou quoi? Oh putain, fichonne à la descente. Enfoiré, je te jure. Un petit pike. À la descente, il m'a pris. Petit coquin. Il m'a pris à la descente. Hop, le petit plomb palette, il l'a aimé. Allez, repart. J'ai pas compris, j'ai pris une espèce de mou à la descente. Là, je vais faire un coup. Tout, il était. On va essayer de passer un peu plus vite là. J'ai mis un peu plus de vitesse. Yes! Bien joué! Je sors l'épuisette. T'as vu les frappes qu'ils mettent? Un cendre. Oh, il est beau en plus, con! Bien joué, mec! Oups là! Oh non! Il était fat, hein? Il faisait, ouais, il faisait 65, 70. Merde! Oh merde! Ah, je suis deg! Ouais,
entendu. C'est des coups de tête, c'est pas des rushs pour l'instant, je sais pas. Broché. C'est un broché, moi. Attends, et ce... C'est pas grave. C'est que des coups de tête, moi. Moi, c'est un pike, je pense. Comment tu l'as... Ouais, c'est un joli broché. C'est pas grave, je m'occupe pas. Yes. C'est bon, ça. Yes. C'est bon. Ben voilà. Il paraît, il fait vraiment. Allez, hop. Vraiment. C'est bon, ça? Yes. Nickel. Putain. Ils sont là, hein? Ouais, ils sont là. Il y a du poisson là, en tout cas. On va y rester un peu. Le problème, c'est que ça a tendance à se caler dans les serre-joints. Non, ça devrait aller là, c'est bon. Après, tu la mets comme tu veux. Bon, on va se remettre à la bonne profondeur. Hein. Putain, je suis dégue. Oh. Je suis bien. Et là, on va se caler à 8-9 mètres, là, et on va lancer tout autour en éventail, en grattant tout doucement. Hein. Il y a les premiers échos, là, à la voix. Cendre. Cendre. Gros coup de tête, c'est cendre. C'est un joli. Que des coups de tête, c'est cendre. Cendre. Putain, on les a trouvés où ils étaient. Mais oui, je te l'ai dit, ils étaient là. Oh, yes, voilà les gens. Un joli cendre. Je fais quoi, 60? Ouh, 65 même. 60, 65? Je vais mesurer. Bon, allez, pas le temps. Il fait chaud, on va le faire redescendre. Vas-y. Allez, il claque à la surface et il est parti à fond vers le fond. Parce qu'il y a une grosse différence de température. Il fait bien chaud aujourd'hui. Plus vite il repart, mieux c'est. Hop, c'est bon. Je t'avais dit qu'ils étaient là. Vertique, hein. Très lent, t'as vu? En fait, je tirais le leurre derrière. Peut-être était en virage, ouais. Mon leurre. Donc il passait le long là. J'étais juste au-dessus du fond. Avec la faible vitesse du bateau, j'arrive à maintenir. C'est et juste à la fin, bam! Vertical, donc leurre. Fallait du leurre marron, hein, je te l'avais dit. Hein. Ouais. Voilà, leurre un petit peu marron, coloris naturel. Peut-être plombé 14 grammes. Et à la touche et au coup de tête, je savais que c'était un cendre. Ouais, quelques souches là. Yes. Cendre. Cendre. Ouais, coup de tête comme ça, c'est cendre. Ouais, cendre. Je crois. Hein. Je sais pas. Oui. Ah non, c'est un broc. C'est un broc. Le one-up il est parti. Tu veux rattraper le one-up ?